Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On se retrouve pour continuer notre petite bataille. Et Church imaginait toujours qu'on allait gentiment laisser l'usine et pas du tout que l'objectif c'était de piller des technologies qu'on ne devrait même pas envisager de piller. Mais bon, à mon avis, il va apprendre à la dure. Là, les mecs, ils ont pu miner. Ok, on va reminer un peu. Devant, au cas où. Il faut pas que vous restiez là, par contre. On va les suivre de près. Il y a un truc qui sort, là. Une plateforme d'appui feu à l'arrière, ici. Une meute de loups. Ok. Ça devrait se faire. On va continuer de surveiller pour ne pas les oublier. C'est bon, repliez-vous. D'ailleurs, vous allez vous replier même tout là-bas. Ouh, il y a du monde là. Ok, une spider. D'accord, donc vous rentrez dans les bâtiments. Vous sortez s'il vous plaît. Parce que là, on est en train de se faire défoncer par nos propres tirs. La plateforme d'appui feu là, elle est bien placée là. Elle joue la vilaine. On va avancer jusque là. Toi avec ton canon à plasma, il faudrait que tu avances pas mal pour avoir un angle de tir, mais on va tenter. Ah, il y a tellement de monde là. Alors c'est quoi? Spider. Ouh putain, une spider anti-char. Ok, donc toi. Priorité, défoncer ça. Vous avez un saut. Ok, parfait. Défoncez ça. Toi, tu vas avancer jusqu'ici tranquillou. On n'a pas encore notre véhicule tow qui est arrivé. Il doit être sur le chemin. Là, c'est un peu la grosse, le gros embouteillage. Toi, tu vas venir te planter par là et on posera la plateforme de tir là, je pense. Ici, rien qui sort. Alors, vous êtes en position. Déployez-vous au sol. Là, on a peut-être un petit peu trop de monde. On va le Bradley par là. Ici, il y a un assaut. Ça explose là. Qu'est-ce qui fait aussi mal? Je ne sais pas. On tire sur un truc. Peut-être... Ah, il y a une nuée là. Ça merde. Ça, c'est de la meute de loup. Pas trop gênant. Le canon. Alors, c'est con que le canon soit dans le mauvais sens. Hein. Il y a à chaque fois, il faut qu'il prenne le temps de tourner. Ah ouais, il va prendre tellement cher. D'ailleurs, toi, tu peux te rapprocher. On a beaucoup d'anti-tank hein, sur ce flanc, très honnêtement. Je pense qu'on va en désactiver un peu. Toi, arrête de tirer. Ça, c'est quoi? C'est les renforts, ok. Il y en a encore 2 minutes, je pense qu'il faudra le faire. Là, on peut réparer un peu. Ah là, il nous tire dessus, l'enfoiré. L'anti-char s'approche. Ok, parfait. Toi, allume ça, s'il te plaît. Là, on va essayer de se déployer un peu à terrain découvert. Ici on a tiré, mais c'est pas efficace. Ah putain la saloperie. On a pas un bon angle. Il faut reculer. Hardar 2, c'est ici non? Ouais, c'est ici. Il y a du peuple. Est-ce qu'avec ton saut vous êtes à portée? Non, vous êtes pas à portée. Donc il faudrait qu'on avance lui. C'est un peu proche des meutes de loups. Et là on a des homoncules mais sans saut. Ok, donc ça va. Les renforts sont en train d'arriver. Le Bradley, du coup. Viens donc par là. Ils se sont mis de mauvais côté, c'est un peu dommage, mais bon. C'est comme ça. Là, on surveille l'arrivée éventuelle de volant.
Ici on a miné. Alors il y a le truc à l'arrière toujours là qu'on surveille d'un œil. J'espère qu'ils vont m'envoyer du ravitaillement, ça me ferait franchement plaisir. Recule encore toi. Putain, il y a des volets, il y a des nuées en plus là. La petite nuée là. Aïe. Est-ce qu'on est à portée? Attends, on n'est pas à portée avec le tank et on peut pas avancer plus sinon on va franchir la ligne. Ok, recule. Ça va être un travail pour toi du coup. Allez. Excellent, il a pu le shooter. J'avais peur qu'il se prenne le bâtiment aussi, mais ça va. Il y a des machins qui se baladent à découvert. Maintenant on devrait pouvoir se les faire je pense. Toi tu peux pas réparer. Ok, donc répare pas. On va aller poser la grosse tourelle par là maintenant que c'est un peu plus calme. Parce que ça c'est le petit camion qui n'a rien hein. Donc lui il peut se faire assez facilement allumer. Il nous envoie de l'homoncule, ça va. Voilà, toi, replie-toi tout là-bas. Pour l'instant, c'est ici que ça se bat. Il nous déploie des trucs. Hein. Pour le moment, pas de véhicule de ravitaillement. J'aimerais bien un petit véhicule de ravitaillement, on va pas se mentir. Je t'ai pas envoyé te mettre par là, toi? Il me semblait. Je vais me gourer. Ah, ou c'est lui? Non, ça c'était le taux. Taux, on va le mettre à l'arrière. Au fait, j'avais envoyé un mec ramasser du seau là, parfait. Donc c'est bon, tu as ramassé ton seau, tu peux revenir là. Un type de munition est épuisé. Ah la vache, oui, effectivement, ça commence à être tant d'axes là. Il nous reste 13 tirs. Et 13 tirs de gros canon. Il y a de la nuée qui s'approche, mais heureusement notre bâtiment est à même de gérer ça. Control of the entry point, sir. Good work. IT command, you know what to do now. Yes, sir. Moving out now. Alors, bon. 20 secondes, on attend un peu. Putain, ils sont bien équipés, leurs strikers. Hein. Ils ont tous du blindage en céramique. Après, on commence à avoir un petit peu d'équipement aussi, mais on n'est pas encore au niveau, je pense. Bon. D'accord. Bon, la ligne de ravitaillement est quand même plutôt libre pour le moment, donc on va y aller comme ça. Il n'y a pas trop. Alors, il y a une possibilité d'attaque éventuellement par ici, mais on contrôle quand même plutôt bien la zone. Hein. En avant. Ça c'est Géant 1 qui revient. Alors vous deux du coup vous pouvez vous relibérer. Donc on va en profiter pour venir protéger cette zone. Pas de ravitaillement. Pas de ravitaillement. C'est pas cool mais c'est pas grave. Viens par ici toi, avance un peu. Pareil pour ça, j'aimerais bien l'avancer un peu, chope ça. Eux on va les laisser là pour qu'ils aient un tir direct ici si besoin. De toute façon il n'y a pas vraiment d'autres bâtiments à prendre qui nous permettent de contrôler cet endroit là. Il y a toi éventuellement qu'on pourrait mettre genre par ici pour fraguer tout ce qui passe. Lui il est un PLS du coup, il s'est fait péter les fesses. Waouh. La petite meute de loups des familles qui apparaît juste au mauvais endroit. On va reculer. Il nous reste des ingés là avec des mines.
Yes. Venez donc poser quelques mines antipersonnelles des familles juste par là, là, ça serait bien. Parce que nos mecs, ils vont être concentrés sur l'avant, là, ils sont en train de tous se mettre derrière, mais... Dans l'idée, ils sont concentrés sur l'avant. Ici, on n'a pas eu d'infiltration encore. C'était où? C'était là. Non, nos mines sont en état. Ok, ça a l'air calme. On est en position. On va en amener qu'un seul pour le moment, pour voir. Toi, tu vas rester coincé derrière le bâtiment parce que là, j'ai pas envie que tu te prennes un tir à la con mal placé. Vas-y, toi, viens poser la tourelle, genre par ici. Ok. Ça fait le taf. Alors attends. Parce que là, le problème, c'est que vous, il est placé. S'il y a des trucs qui arrivent, on va le défoncer nous-mêmes. Il n'y a plus de single danger, donc on peut partir du principe qu'ils ont probablement neutralisé la sortie. Vous avez placé vos mines, parfait. Revenez par là. De plus en plus de trucs ici, toujours pas de ravitaillement. Toujours pas. Ouais, faudrait que tu te déploies quand même. Ce serait bien. On va bloquer ton taux par contre. On va le garder pour un éventuel ennemi de type problématique. C'est pas du ravitaillement ça, non, ça ne se déploie pas, on est d'accord. Ça me surprendrait qu'il se passe rien pendant 5 minutes. Ok, on voit du truc là. Anti-aérien, LRM. Ok, parfait. Putain, la tourelle là, tu veux pas te tourner et attaquer, sérieusement? Oh, la vache quoi, la portée de ce truc, c'est ouf. Lui, il s'est fait péter les fesses, mais juste en... alors que c'était le... Genre, c'est... dommage collatéral, quoi. On peut pas leur demander de se tourner dans un sens? Non. C'était quoi ça? Ici il se passe un truc. Ok, ils nous sortent des nuées en fait ici. Et là, il y a quelque chose qui attaque également. Une meute de loups. Une plateforme de transport armé. Ok, donc ça veut dire qu'il faut qu'on... Il faut qu'on aille plus, plus agressif là. Viens là toi. Vous ici. Toi. C'est pas si mal, là on va tenir. Il nous faudrait peut-être éventuellement du monde dans ce bâtiment là. On va envoyer les géants, puisqu'il n'y a plus a priori besoin de protéger là. Là on continue de couvrir parce que là par contre il y a des trucs. Vous déployez-vous. Là pareil, est-ce qu'on peut les mettre à un endroit plus intéressant? Je suis pas sûr. Ici ils sont quand même plutôt bien. On pourrait les mettre là par contre. Allez en avant. Shubi Snippy. Ici, c'est agressif ici. Hein. On va se détendre. Là, c'est la plateforme de transport armé qui me fait un peu peur, là. Voilà, tire sur ça. Voilà, excellent. Il décide de s'enfuir. Arrête-toi. On va voir ce qu'il décide de faire, mais je suis pas trop inquiet. Toi. Ah, nos hommes vies sont dans le mal quand même. Faut qu'on récupère ça. On va se tourner. Ah, il décide de jouer au con. C'est pas grave, sur ce flanc là c'est bon. Là il y a de l'infanterie. Qu'est-ce que c'est? Une infanterie de type SWOW. Allume-la. Avant qu'elle te touche. Allez, allez, allez.
Tu y as mis deux tirs là. Ok, c'est bon. Va lâcher ta tourelle là, toi. Ça pète encore. On n'a pas ce qu'il faut pour s'occuper de ça, malheureusement. Puis alors, c'est beaucoup trop loin pour de l'IEM. On peut tenter. On va balancer une IEM là-bas. Je sais pas si courir devant une plateforme de transport armé est une bonne idée, cela dit. Je vais essayer de... Ah mais non, mais je peux pas franchir la ligne d'opération. C'est débile. C'est débile, ne faites pas ça. Restez ici. Voilà, eux ils vont être en position pour balancer du saut là-dessus là. Et ce sera très bien. Alors là il progresse. On a détruit son moteur. C'est pas forcément d'une efficacité. Alors là aussi il y a un véhicule. Appui-feu, ok. Ah, ils sont capables de nous tirer dessus là. Faudrait que lui on l'avance encore. Bon, c'est pas le moment maintenant. Alors, le seul truc qu'on n'a pas pété, c'est sa tourelle quoi. Les mecs, bougez-vous les fesses. Ah, et du coup, vous perdez des troupes. Bien évidemment. Ok, ici il faut qu'on avance un peu. On va laisser les trucs légers pour gérer à l'arrière. Alors, toi, cela dit, t'as un taux. Hein. Tu peux peut-être l'allumer là, non? Vas-y, shoot-le là, sur le côté en plus. Merci. Toi. Est-ce qu'ils sont capables de tirer sur ce bâtiment là sans qu'on riposte? Il faut qu'on s'avance sur la ligne du bâtiment. Ici c'est géré. Ok, très bien. Là on a posé notre tourelle. On va se placer par là. Deux minutes à tenir avec notre véhicule serveur. Sortir de l'angle de tir ici. Pareil, on va avancer un peu. Alors, toi, tu vas nous poser ton truc juste ici, s'il te plaît. Ah putain, quelque chose qui nous attaque, c'est quoi? Ouais. Avance-toi. Toi, t'as pas de portée là? Putain, c'est tellement. Tellement en limite de portée quoi. Putain, il s'est fait détruire le châssis quoi. Toi faut que tu te recules là parce que tu vas te faire dépouiller le cul. Ah non c'est bon, ils sont détruits. Ok, parfait, bon stop. Réparer. Les petites saloperies qui sortent là. Mais ils vont se faire défoncer rapidement. Là on répare. Là on récupère ce truc là. Allez, plus vite. Et tu me le déposes ici. Et bouge ton cul si tu veux vivre. Voilà, tu te replies derrière. Toujours pas de ravitaillement ici. Ils ont sorti du canon automoteur. Ok. Ah, un HEMTT carburant. Et du ravitaillement ici. Excellent. Ok. Vous et vous. Roulez jusque là. Toi, viens faire le plein. Toi, viens faire le plein. Toi, t'attends un peu. Ouah, viens faire le plan. Commencez par ça déjà. Ici il y a du monde. Un petit eau qui part et qui allume. Niveau de carburant faible pour toi, bah ça tombe bien. Pourquoi tu le tires là? Voilà, ça c'est fait. Niveau munitions, on a encore du taux ici. On n'avait pas une Jeep avec un taux là dans le coin? Non, on l'a envoyé ailleurs. On est plutôt bien en termes de défense, hein, ça va. Allez, on pile leur ravitaillement comme des sacs. Toi t'es remis, va donc prendre du carburant. Ah, là il y a du monde.
la plateforme d'appui feu qui sort sur le tout bord de map. Vas-y, shoot là. Ok, 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 très bien, pourquoi pas. Faisons ça. Là, t'as tiré ton taux. Merci, tu vas pouvoir reculer jusqu'ici. Là, on est plein. On va aller faire un petit tour de carburant pendant qu'on y est. Bah oui, c'est pour ça que je l'envoie se ravitailler. Du coup, il faut qu'on progresse sur ce flanc. Ça tombe bien, on est plutôt fort sur ce flanc. Il y a juste ce truc là qui m'emmerde un peu, mais on va laisser un Malboom et la tourelle pour les protéger, je pense. Il y a un autre danger là, un autre danger là. Waouh. Ça va piquer. Alors, est-ce qu'on a des rangers pour progresser sur ce flanc? Yes. Venez par là, vous. Là, tu peux avancer par ici. Là, du coup, ce truc-là est définitivement désactivé, on dirait. Donc, c'est parfait. On va avancer. On a une nouvelle ligne de... Ok, la ligne. Ouais, c'est sympa, l'usine, là. Ok, donc ici on pourrait avancer, mais je pense qu'on va se contenter de tenir le coin. Qu'on a les ravitaillements pas loin, puis cette petite saloperie derrière là. Ici on progresse. Vous avancez donc jusque là. Donc on a dit qu'on laissait Malboom gérer. Avancer avec lui également. Qui pourrait nous récupérer ça dans le coin? Là, il y a un MV. Ah bah, il est là, mon MV tôt. Ok, récupère ça. C'est bon, tu peux arrêter de reculer et y aller à pleine vitesse, tant qu'à faire. Ah non, toi tu vas rester ici pour allumer ce qui sortirait de là. Bien envie d'envoyer un peu les rangers en éclaireur quand même, mais... Ah, là il y a un truc qui est sorti. Une plateforme de transport armé. Ok, on affronte notre char. On devrait aller. Voilà. Ah bah c'est le ray gun qu'il a eu, tiens. Très bon travail. Vous là... Ah, il y a encore un autre truc qui arrive. Ouh. Ouais, c'est pas la même là. Nos ATGM sont en train de se mettre en position, c'est plutôt bien. Il n'avance pas. Ok, il n'avance pas. Si on peut le sniper de loin, moi ça me va. Vous venez par ici, on va vous demander de miner un peu cette zone, ça fera pas de mal. Ah, il nous a vu, ça y est. Bim! Vas-y, avance-toi. Et le Bradley, là, on va l'envoyer également avec ses taux. Toi, tu vas venir poser ta plateforme par là. Le char devrait être mort d'ici là, j'espère. À côté. Un deuxième. C'est tellement costaud ce machin. On endommage pas mal son système de visée quand même. Là, nos véhicules de ravitaillement sont arrivés. Parfait. Donc on va pouvoir commencer à se déplacer ici. On est plein à ras la gueule, on se redéploie. Le Bradley, pareil. Tu vas te mettre ici. Et le petit transport avec ses taux tout plein. Tu vas venir par là. Toi tu récupères ça. Vous restez dans le coin parce qu'il y a toujours des potentiels volants dans le coin. Toi va faire le plein. T'es assez rapide pour que ça vaille le coup. Toi t'es plein, toi t'es plein. Ici on pourrait avancer du coup. On verra plus tard. Toi t'es trop trop lent pour faire quoi que ce soit. Donc tu vas rester dans le coin. Bah, tu vas aller faire le plein de carburant. Hop. Alors le char, ça donne quoi là? Il faut me le péter.
Il n'avait plus de munitions, ouais. Il n'avait plus de munitions, malheureusement. Allez. Oh, l'enfoiré, il recule. Il n'a plus de canon. Oh, les petits drones qui le réparent. Ah bah... On ne verra plus les petits drones le réparer. Excellent. Toi, t'as encore plein de... ressources. Donc on va aller recharger en utilisant tes munitions internes. Là. Mine anti-char, il nous en reste 4. On va les poser là. C'est parti. Là, dès que le camion il est plein, on va l'envoyer recharger ailleurs. Tac, tac, tac. Toi, tu pourrais lâcher un truc. Ici, il faut que tu répares pendant que tu recharges. Et toi, tu vas aller piller le HEMTT carburant, mais alors, comme un gros sac. Ici, il y a des petits connards. Face à quoi? De la mitrailleuse, ils vont se faire défoncer, c'est pas un problème. Ici, il faut qu'on sécurise jusqu'ici, hein, avant d'emmener du monde là. Donc eux, on les envoie recharger, on va avancer un peu là. Là, on pose les mines. On va mettre un petit peu de mines antipersonnel aussi, parce que pourquoi pas. On sait pas trop ce qui pourrait sortir. Et après, vous allez vous mettre par là-bas. Là-bas. Ça manque d'infanterie ici pour protéger quand même. Ah oui, on a une escouade ici. Go, en avant. Contrôler les aliens. Non, je peux pas contrôler les aliens. Ah, ça serait cool, mais je ne peux pas contrôler les aliens, effectivement. Non, il en a un peu rien, c'est nous qui devons faire le taf, voyons. Ils sont pas là pour travailler. Ils sont là pour profiter de nos efforts. Déployez-vous par là-bas. Ici, on va juste attendre qu'ils se rechargent. Ils sont rechargés, parfait. On va les laisser là au cas où. Et après, on progresse. Alors, ici, on a la plateforme lourde qui est en pleine forme. On va aller la déposer là, et après on ira piller du carburant. Toi, t'es pas encore plein. On a toujours si besoin notre méga artillerie qui est capable de couvrir toute la map, là. Là, ce serait bien qu'on avance. Go. Toi, tu vas rester dans le coin des fois qu'il y a un gros truc qui sorte soit de là, le temps qu'on apporte ce qu'il faut. On va commencer à faire progresser ce véhicule au moins jusqu'ici, le temps qu'on sécurise. Là, il y a aussi des petites saloperies qui peuvent sortir. On va demander de la mine, là. En avant. Que normalement, dès qu'on aura posé le camion, ça sera désactivé. Je sais pas où je t'ai envoyé, toi. Mais bon, j'ai dû t'envoyer quelque part, donc admettons. Qu'est-ce que tu fais, toi, par contre? Non, là, par contre, je sais pas ce que j'ai branlé, mais tu fais n'importe quoi. Je t'ai envoyé te ravitailler en carburant, non? Ah oui, d'accord, tu passes par la route parce que c'est plus rapide. Ok, 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 admettons. Ici on est plein, mais on n'a plus de carburant, on y va. Là on n'est pas encore plein. Ici c'est déposé, on va piller le HMTT carburant, c'est parti. Ah bah lui il est vide. Ils sont vides tous les deux, ok. Où est la petite saloperie qui sort là? Non, c'est bon. Ok, on n'a plus de ravitaillement. Ça c'est fait. Viens par là, mon ami Bob. Donc toi du coup, tu vas aller tout là-bas. On va se servir de toi pour recharger les trucs les plus critiques. Toi, tu vas te déployer par ici pour couvrir là, en cas de besoin. Du coup, il nous reste un peu de carburant encore à prendre. Si lui, il arrive à temps. Le pauvre qui est tellement endommagé, quoi. Bon, ok, on a pris position là. On a une position par ici, j'aimerais bien des rangers ici, est-ce qu'on a des rangers disponibles? Vous êtes un peu loin, vous. Ouais, vous êtes déjà en éclaireur dans le coin là. Et vous, pareil. On va faire 100 du coup. On va aller poser ça. Voilà, c'est clair que s'il y a un truc qui sort et qui nous allume le camion, ça fait chier, mais bon, on peut pas faire mieux. Hein. On a tout miné.
to the data stream. Now trying to disarm the internal security system so my engineers can access the factory. I'm expanding your area of operations, Church. Clear the area of hostiles. I need to get those engineers in there. Alors, je veux bien que tu élargisses ma zone d'opération, mais ce serait bien que éventuellement tu me donnes plus de troupes aussi. La sortie de secours. Ils doivent entrer dans l'usine par là, du coup. Bon, est-ce qu'il nous a désactivé ça? Il nous a désactivé ça. Par contre, on a toujours ce bordel-là. Donc là, il va falloir qu'on progresse. D'accord. Tout en sécurisant la zone. Du coup, on va avancer notre véhicule jusque-là pour avoir de la portée. Ça, a priori, c'est pas encore désactivé. Hein. Il pourrait y avoir des trucs qui sortent. Donc on va laisser un peu de saut là-bas. Est-ce qu'il nous ramène d'autres ravitaillements? Voilà, on va le vider. On va le vider de chez vider, quoi. Lui, il arrive tant bien que mal. Allez, t'y es presque, mon gars. Avec un peu de bol, tu peux... D'où ils sortent? Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours un truc ici. Par contre, ils se déplacent pas, donc du coup, ils activent pas les mines, quoi. C'est quand même un peu triste. Mais bon. Ils se font buter. C'est tout ce qu'il faut. On en demande pas plus. Bon, bah du coup, il va falloir qu'on progresse. Tu fais quoi, toi? Ah, t'es devenu allié. D'accord. Tu vas où? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, ok, si t'avances, on avance, hein. Y'a pas de soucis. Go. Genre, il dit pas quoi? Non, ça va, il s'arrête là. Ok, bon. Il y a des petits machins qui se baladent à droite à gauche. Bon, visiblement, c'est l'heure d'avancer. Progresser jusque là. On va devoir laisser la tourelle lourde ici pour surveiller un peu. Alors après, c'est vrai que ouais, on va laisser la tourelle lourde, le striker, ça devrait suffire, je pense, pour gérer ce qui pourrait avoir envie de tomber par ici. Cette tourelle lourde là, par contre, on va la récupérer. Toi, t'avances jusqu'ici. Le problème, c'est qu'il y a vraiment des sorties partout sur la map, quoi. C'est quand même hyper tendu à progresser, quoi.